Coucou bande de nous, ici Draco pour une nouvelle vidéo, donc ouverture de 4 boosters X et Y. 2 Yveltal, 1 Xerneas, 1 Mega Florizarre, donc il n'y a pas le Mega Tortank. Mais en vrai dire, les images importent plus, le plus important c'est ce qu'il y a dedans. Alors j'ai déjà ouvert des boosters X et Y, j'en ai déjà ouvert 4 dans des tripacks, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je la mettrai voilà ici le lien. Donc là j'en ouvre encore plus, j'aimerais bien tomber sur une EX en français pour une fois au lieu du Jap, parce que bon en français je suis assez malchanceux. Espérons que cette fois-là j'ai une bonne pioche. On va commencer le Veltal. Alors, oui là c'est déjà défait, c'est normal. C'est parce que j'avais déjà commencé la vidéo en fait. Il y a eu un petit bug. Bon, sans le booster, oui, il est toujours scellé. Là par contre, il l'est plus. Ouais. Le booster, toujours aussi pourri à s'ouvrir. Voilà. Voilà. On a comme d'habitude le code online. Alors. Monorpal, Libagma, Rondoudou, Pitrouille, ouais ça Pitrouille, Dodio, Olivier, Musiole, c'est ça oui, Sana, oh ça c'est pas mal ça, c'est une holographique normalement, donc j'ai une holo reverse, blind épique et, bon une rare pourrie mais on a une holo reverse, pas mal, ça commence bien, ça qui est mieux avec les reverse parce que des fois ça peut vraiment sauver l'ouverture, enfin, bien que là, en 4 boosters, c'est pas une holo reverse qui a sauvé. Alors, ouais, si c'est bon. Oh là là. Ah. Ça se déchire n'importe comment, on peut même pas garder les boosters bien. Allez voir ouais, ça s'est déchiré. Alors, code online. 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, quelque chose qui brille. Ouh. Ouh, on a une bonne carte, je crois. Oh, j'ai vu quelque chose malheureusement quand j'ai fait un 2, 3, 1, 2, j'ai senti. Ouh, je crois qu'on a enfin une carte bonne. Allez, on va commencer l'énergie fée. Allez, là je suis content, la feuille à joue. Je sais pas si c'est une fleur spot, je crois pas, parce que quand j'ai fait le 1, 2, 3, 1, 2, j'ai pas senti, enfin je sais pas. Pikachu, une énergie herbe. Ah, ça fait plaisir de les revoir les énergies. Ça rappelle les vieilles cartes qu'on avait dans le set de base. Enfin, personnellement, j'en avais un peu quand j'étais petit. Fennec, Coxyclac, Dodrio, un peu commune, ça rappelle Max. Ah, ou puisque Coxyclac aussi était un petit peu. Ok, fond bizarre. Et. Oh, pas mal. Et Molga EX. Alors, j'en préférais tomber sur une autre EX, mais bon, une EX reste une EX, c'est pas mal. Et Molga. Elle est belle. J'ai pas de pochette sur moi direct. Bon, je vais la poser là et je la mettrai en pochette juste après. Sympa. Bon, j'en préfère toi. Peut-être une autre EX, oui, mais bon. J'en ai chopé une. J'en voulais une, j'en ai une, voilà. En plus, je l'ai pas eu. Si je l'ai pas eu en japonais, bon, là, j'ai en français. Bon, il me la fera quand même en jap, mais bon. Elle est belle. Franchement ça va, elle est sympa. Mais c'est clair qu'il y a mieux en EX dans la série, donc c'est un peu dommage dans un sens, mais... Personnellement je trouve que c'est la moins bonne avec le armure, donc bon, faut voir. Allez. Bon, j'ai une EX, allez. De toute façon j'avais vu que généralement dans les boîtes, il y en avait facile 3-4 en comptant les full art. Donc, ça va mettre en 2. Ça va. Allez. On a qui? On a Sapero, Grenous, Monorpal, Ligmagma, Rondoudou, Croapal, Croaporal, pardon, excusez-moi. Voilà. On a Cercle des Ombres. Waouh. Chacun des Pokémon auxquels de l'énergie obscurité est attaché, les voit sur votre adversaire n'a pas de faiblesse. Excavaren, tu parles d'un nom. Feuilloutant et. Oh, Nolo, yes, Rhinastock. Feu du temps en plus c'est une rare reverse, et bah ayant. Et Nolo, allez, on a une EX, une Nolo. On va voir ce que ils veulent à nous. Bon là, nous réserve, bon là on a déjà. L'ouverture est déjà réussie, hein. Franchement on a déjà une EX. On va pas se retirer. Allez. Voilà. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. On a Skitty, Chronos, Feu, Énergie Feu, c'était déchire, les magmas de du haut, oh un Conconfort, Jardin des Fées, ah bah tiens, bah c'est le même style que pour le Cercle des Ombres, sauf là c'est pour les Fées, Jardin des Fées donc, chacun des Pokémon auquel l'énergie Fée est attachée et votre adversaire n'a pas de coup de retraite, ah non sauf que là c'était pas de faiblesse je crois, ouais c'est ça. C'est pas mal, ça peut marcher, ça peut bien marcher je pense avec Xerneas, faut voir. Ténéfix,
gris-gris protecteur et bah feuilletant qu'on a déjà eu sur le dommage, mais bon. Alors le gris-gris c'est une peu commune. Bon, alors la récap, on a eu quoi de bon? On a eu deux. On a eu. Ah non, c'est une rare reverse aussi. Ah, ça déchire, j'ai une vraiment bonne ouverture pour une fois. Enfin, c'est. Là, je suis content. Donc, gris-gris protecteur, qui est sympa. On peut quand même, on a eu deux rares rivers, ça c'est bien ça. Flambusard et Feuilleton, surtout le Flambusard, je le trouve très joli. On a eu une rare, on va montrer déjà les deux rares qui sont pas terribles, quoi, la Sepiatros et le Feuilleton. Et ça, on a eu vraiment très bon. Blindé Pique en holo reverse. Oups, mon pauvre Emolga se tire. On a eu Grenastock, on a eu surtout Emolga. Voilà, je vous laisse ça. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter la vidéo, si vous souhaitez à vous abonner, voilà, s'il y a des cartes que vous recherchez, je pense que je pourrais lâcher le Emolga EX, je sais pas en fait, contre quoi. Rien, j'ai peu de recherches en ce moment, au pire je le garderai pour le moment, ce sera la surprise plus tard. Voilà, bah voilà, merci d'avoir regardé comme je viens de le dire, passez une bonne journée, voilà, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous le souhaitez, ou voilà. Et à ouvrir plein de boosters X et Y, que ce soit en Jap ou en français. Voilà, je suis réconcilié avec les cartes françaises, merci encore, et à plus tout le monde.